السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. Nous arrivons aujourd'hui à notre dernière conférence qui concerne les composés attachés et séparés. Bab al-maqtou' wal-mawsoul. Donc, on peut dire les composés attachés et séparés ou bien les attachés et séparés tout court. Nous avons vu tout au long de nos conférences les règles du mizan an-nabri. Donc, nous avons étudié jusque-là quatre règles. La règle rouge qui est la règle fa'il avec ses deux formules, fa'il et fa'il, et bien sûr leurs différentes positions. Ensuite, nous avons vu la règle bleue qui est la règle fa'lun avec ses deux formules aussi, fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa' et fa'lun avec un nabr sur harakat al-lam. Et bien sûr leurs différentes positions aussi. Puis la règle verte qui est la règle fa'ilun avec ces trois formules. La formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa qui domine aussi ces positions. Et nous avons la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-ayn qui domine une seule position. Et la dernière formule, c'est la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam. Qui domine à elle seule quatre positions. La dernière formule, c'est la formule mufa'ilun avec ces quatre formules. C'est la règle orange, la règle mufa'ilun. Ces quatre formules sont la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-ayn. La deuxième formule, la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa. La troisième formule, c'est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mim et al-lam. Et la dernière formule, c'est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et harakat al-lam. Voilà, donc ça, c'est un résumé global de toutes ces formules. Les chapitres qu'on va aborder dans cette conférence sont, alors, bien sûr, on va parler des composés attachés et séparés, al-maqtou' ou al-mawsoul, les formes conformes à l'écriture coranique. Quand on dit conforme à l'écriture coranique, c'est on désigne ici al-rasm al-uthmani, qui fait partie bien sûr des standards de la récitation correcte du Coran. Donc, il faut savoir qu'il faut se conformer à l'écriture coranique. Et cette écriture se présente sous plusieurs formes. Donc, en ce qui concerne les composés attachés et séparés, l'écriture est un peu particulière. Donc, on verra tout ça plus en détail dans notre conférence aujourd'hui. Et nous verrons aussi la relation entre le chapitre des composés attachés et des composés attachés et séparés avec an-nabr. Deuxième point qu'on va aborder, on va voir une bonne règle, on va vous présenter une bonne règle afin d'ajuster votre prononciation. Alors, en ce qui concerne les formes d'écriture, ces formes d'écriture que vous voyez présentées ici dans cette diapo sont tirées du livre An-Nashr de Ibn al-Jazari, l'imam Ibn al-Jazari. Et le professeur les a décomposées, le professeur Walid Mokbel Dib les a décomposées en cinq formes. Donc nous avons en premier lieu, il y a ce qui est conforme à une seule forme d'écriture dans tous les masahif. Quand on dit Masahif ou bien al-Mas'haf, ce sont les Masahif envoyés par le calife Uthman ibn Affan à tous les contrées musulmans. Par exemple, nous avons le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين. Donc, vous voyez bien, la prononciation, elle est conforme à l'écriture et cette écriture, elle est unique dans tous les mashaf. Donc, il n'y a pas de différence entre un mashaf et un autre. Il n'y a pas de différence entre un livre, l'écriture dans un livre et un autre. Deuxième forme, nous avons ce qui est retenu dans certains mashaf et n'est pas retenu dans d'autres. Par exemple, tiré du verset d'un verset de sourate Al-Baqarah, dans ce verset, le verset lui-même, il est récité ainsi, il est rédigé de la même façon avec laquelle je vais le prononcer. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا. Donc, il y a au début, on retrouve la lettre Al-Waw. Mais dans Al-Mus'haf Al-Shami, conforme à la récitation de Ibn Amir, le verset s'écrit sans Waw au début. Mais il est considéré comme conforme à l'écriture, ce qui est retenu dans certains, dans un livre et n'est pas retenu dans un autre. Troisième forme, il y a la conformité probable avec l'écriture. Donc, l'écriture a été modifiée de façon consensuelle. Il y a un consentement sur cette modification. Donc, cette modification, elle est, c'est-à-dire si on fait la comparaison entre la prononciation et l'écriture, on va trouver qu'il y a une différence. Par exemple, le mot az-zakata. Donc, vous voyez bien le mot az-zakata quand je le prononce. Donc, après harf al-kaf, il devrait y avoir alif al-maddiya. Mais dans l'écriture, nous retrouvons al-waw al-maddiya. Et elle est surmontée par al-alif al-khinjariya qui désigne en réalité qu'il y a alif al-mad ici. Donc, je devrais dire az-zakata et non pas az-zakawata. Donc, en termes de prononciation, on retrouve il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui est écrit. Donc, la même chose pour le mot as-salata. Pareil, au lieu de trouver l'alif al-maddiya, on retrouve l'waw al-maddiya en termes d'écriture. Ce qui est aussi retenu pour le mot as-samawati. Donc, je devrais retrouver deux alif med ici. Donc, entre l'mim et l'waw, il devrait y avoir alif meddiya. Mais dans l'écriture, elle n'apparaît pas. Elle est remplacée par l'alif al-khinjari. On retrouve l'mim attachée, la lettre l'mim, elle est attachée à la lettre l'waw. Juste, c'est-à-dire, on retrouve cette désignation. Ou bien cette petite marque qui est Alif al-Khinjariya entre les deux lettres, ce qui veut dire que là, il devrait y avoir Alif al-Maddiya. Donc, en termes de prononciation, je dis As-sama, ma, As-samawati. Et en termes d'écriture, elle n'apparaît pas de façon visible. Pareil pour le mot As-salihati. Donc, vous voyez bien, l'alif al-khinjariya, elle existe entre as-sad et al-lam. Puis après, on la retrouve entre la lettre al-ha et la lettre al-ta. Alors qu'en réalité, il devrait y avoir l'alif al-maddiya, mais elle est plutôt remplacée par ce petit signe un peu minuscule, mais il désigne au lecteur que à ce niveau-là, il devrait y avoir al-alif al-maddiya. Voilà, donc c'est ce qu'on veut dire par la conformité probable avec l'écriture. C'est la conformité de quoi? C'est la conformité entre la prononciation et l'écriture, bien sûr. En quatrième lieu, ou bien la quatrième forme, c'est la non-conformité explicite. Al-mukhalafa as-sariha.
La non-conformité explicite à l'écriture et son appréciation suivant une célèbre récitation n'est pas considérée comme une anomalie ou bien comme une non-conformité. Par exemple, la lecture du mot bidonin. Ce mot a été prononcé avec va par certains récitateurs très connus. Et cette prononciation n'est pas considérée comme une non-conformité parce qu'elle est très connue. Donc c'est vrai qu'elle est différente par rapport à l'écriture, mais elle n'est pas considérée comme étant une anomalie. Cinquième forme, la conformité absolue est probable. Donc par exemple, on prend le mot maliki, maliki. Ce mot est rédigé sans alif dans tous les masahif. Donc, si vous prenez n'importe quel mashaf, Mekki, Chami ou autre, donc vous allez le retrouver ainsi rédigé sans alif maddiya. Donc, l'alif maddiya ici, elle est remplacée par l'alif al-khinjariya qui est toute minuscule que vous voyez entre, elle se présente entre la lettre al-mim et la lettre al-lam. Voilà, donc ça c'est pour les formes de conformité avec l'écrit. Voyons voir les formes de conformité entre l'écriture et la prononciation, comment elles se présentent. Elles se présentent en réalité sous deux formes. Nous avons une conformité absolue et une conformité probable. Qu'est-ce qu'on veut dire par une conformité absolue? C'est lorsque les deux mots sont, on les retrouve attachés dans l'écriture. Et en même temps, on les prononce attachés. On parle bien sûr de quoi? Al-maqtou' ou al-mawsoul, hein? Donc là, on est au niveau des attachés et séparés. C'est composé de mots attachés et séparés. Al-maqtou' ou al-mawsoul. Donc, on les retrouve, si on trouve en termes d'écriture et de prononciation, elles sont attachées, donc on dit que c'est une conformité absolue. Pareil, si dans l'écriture, ces deux mots sont séparés et en même temps, c'est-à-dire en termes de prononciation, sont aussi séparés, donc c'est une conformité absolue entre l'écriture et la prononciation. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par une conformité probable? Une conformité probable, c'est que les deux mots, on les retrouve attachés dans l'écriture, mais elles sont séparées dans la prononciation. Et là, il ne faut pas oublier le poème de Ibn al-Jazari où il dit فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي احْتِمَالًا. Le mot احْتِمَالًا désigne aussi la probabilité. Et cette probabilité rassemble tous les cas de probabilité qu'on va voir d'ailleurs lors de notre cours. C'est-à-dire, quand on dit probabilité, c'est qu'il y a une différence entre la prononciation et l'écriture. L'écriture, elle est attachée, la prononciation, elle est séparée, et vice-versa aussi. Donc, nous avons aussi l'écriture, elle est séparée, et la prononciation, elle est attachée. Donc, dans les deux cas, que l'écriture soit attachée, la prononciation séparée, ou bien l'écriture séparée et la prononciation attachée, on appelle cette conformité la conformité probable. Et on va donner des exemples plus concrets, et puis après, nous présenterons les règles avec plus de détails. Donc, on commence avec le premier exemple. Le premier exemple concerne Inna plus Ma. Qui est considéré ici comme ism al-mawsoul. Alors, c'est quoi ism al-mawsoul? Ma, lorsqu'il est considéré ou bien lorsqu'il est analysé, plutôt cette lettre, si elle est analysée comme étant ism al-mawsoul, ça veut dire qu'on peut la remplacer avec le mot alladhi. Et dans ce cas-là, on va prononcer cette composition de mots, on va la prononcer séparée et non pas attachée.
Donc, si je prends le premier exemple, Inna ma inda Allahi huwa khayrun lakum. Inna ma. Vous voyez bien, quand je prononce ce mot, enfin, en réalité, c'est une composition de mots, maqtou' wa mawsoul, on le considère faisant partie du chapitre al-maqtou' wa al-mawsoul, je mets un abord sur harakat al-mim. Et en termes d'analyse grammaticale, al-ma, ici, ism mawsoul, c'est le sujet de inna. Ismu inna. Donc, je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat an-nun, c'est pour distinguer ou bien séparer ma ism mawsoul de ce qui la précède. Avant, c'est le mot inna ou bien cette préposition inna. Donc, cette conformité, comment on appelle cette conformité lorsqu'on a une écriture qui est attachée et la prononciation, elle est séparée parce que à ce niveau-là, ou bien pour cet exemple, la prononciation appelle à leur séparation par rapport à leur fonction grammaticale. Donc, c'est une conformité probable. Dans le deuxième exemple, nous avons inna séparé de ma. Donc, nous avons une écriture séparée et la prononciation aussi appelle à la séparation de ces deux mots. Donc, l'exemple, c'est le suivant. Inna ma tu'aduna la'at. Inna ma. Elles sont séparées. Que ce soit en termes d'écriture ou bien en termes de prononciation. Et là, nous sommes devant le fait que c'est une conformité, on appelle ça une conformité absolue. Deuxième exemple, le mot M avec men. M plus men. Donc, nous avons le premier alinéa concerne un verset. Et dans ce verset, nous avons au début M plus men qui sont attachés. En termes d'écriture, elles sont toutes les deux attachées. Mais en termes de prononciation, on doit les séparer. Donc, je dis من هو قانت آناء الليل. Donc c'est من et non pas من. Parce que si je mets uniquement un nabr sur harakat al-hamza et non pas sur harakat al-mim, au lieu d'avoir deux mots, nous aurons un seul mot, dont le sens est at-ta'min, qui veut dire supplier Dieu de répondre à la prière de la personne. Alors qu'en réalité, j'ai deux mots, M plus men, et qui n'a pas ce sens dans ce verset. On n'a pas at-ta'min, on n'a pas le sens de at-ta'min dans ce verset-là. Donc nous avons l'écriture, elle est attachée, mais la prononciation appelle à leur séparation, étant donné que la fonction, elle est tout à fait différente, que ce soit en termes grammaticaux ou bien en termes de sens, même en termes de tajwid. Si je dis amen, nous aurons une lettre mim doublée. Au lieu d'avoir deux lettres appartenant à deux mots distincts, ce qu'on appelle en termes de tajwid, idgham al-mithlayn as-saghir. Pour le deuxième exemple, nous avons m plus men qui sont détachés ou bien séparés en termes d'écriture.
Donc, am plus men. Am, men. Et en termes de prononciation, bien sûr, comment on va les prononcer? On a déjà vu cette règle concernant le mizan al-nabri, la deuxième règle, qui est la règle fa'lun, c'est la formule. Donc, ce n'est pas la règle elle-même, c'est la formule, la deuxième formule qui est fa'lun. On avait parlé du fait que si nous avons deux mots qui forment la suite haraka sukun, haraka sukun, donc automatiquement, je vais mettre un nabr sur la deuxième haraka. Et en termes de prononciation, je vais dire amen et non pas amen. Et dans cet exemple, nous avons l'écriture, elle est séparée et la prononciation aussi, elle est séparée. Donc la conformité, elle est absolue. Troisième exemple, l'exemple haythuma. C'est le mot haythu plus ma. Et cette structure séparée existe dans tous les masahif. Et en termes d'analyse grammaticale arabe, cette combinaison de deux mots, quand ces deux mots sont attachés, sont considérés comme un outil apocopé conditionnel, mais s'ils étaient séparés, ils auraient rempli une autre fonction. Donc la prononciation appelle à ce qu'ils soient attachés et non pas séparés. Donc, comme vous pouvez le constater, dans l'exemple présenté sur cette diapo, nous avons Wahaythuma. Donc, il y a deux lettres qui sont colorées en rouge. Donc, nous avons Harakat al-Ha et Harakat al-Ta. Donc, ce sont les deux positions où je devrais placer un nabr. Je dis Wahaythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Shatara. Donc, j'ai oublié de mettre le qalqala sur harakat al-ta. Alors, on revient au terme Wahaythuma. Je mets un nabr sur harakat al-ta. Et quand je mets un nabr sur harakat, automatiquement, je vais attacher el-mim, el-ma, qui est en termes d'écriture, elle est séparée. Je vais l'attacher, je vais en quelque sorte l'attirer vers le premier mot. Donc, j'ai wahaythuma et non pas wahaythuma. Je ne mets pas un nabr sur harakat el-mim, pardon. Parce que si je mets un nabr sur harakat al-mim, je vais séparer cette lettre de cette combinaison de maqtou' wa mawsoul. Donc la conformité ici, comme vous pouvez le constater, elle est probable parce qu'il y a une différence entre l'écriture et la prononciation. On passe maintenant au quatrième exemple, le mot inna plus, pardon, le mot in. Du conditionnel avec la de la négation, la annafia. Nous avons ici un exemple. L'exemple, c'est Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Le mot, c'est Illa. C'est-à-dire ce qui appartient à Bab au chapitre Al-Maqtou' Al-Mawsoul, c'est le mot Illa. En termes de nabr, je mets un nabr sur Harakat Lam. Pourquoi? C'est pour faire la distinction entre In plus La. Ce n'est pas un seul mot, ce sont deux mots. C'est In plus La, c'est Si plus Non. Dans ce verset, cette structure veut dire si vous ne lui apportez pas de secours, il la tansuruhu. En termes d'écriture, on trouve ces deux mots toujours attachés dans al-masahif. La conformité ici, elle est probable parce que la prononciation appelle à la séparation des deux mots. Et en termes de nabr, donc nous avons un nabr sur harakat al-hamza, in,
Et nous avons un nabr sur harakat al-lam. La. Il la. Si on prononce le mot comme un seul mot, c'est-à-dire on dit il la, il la, on aura le sens de il la al-istithnaïya. C'est-à-dire là, on fait l'exception. C'est-à-dire il la qui représente l'exception. Alors ici, on n'a pas le sens sauf le secourir. Non. Si vous ne lui apportez pas de secours, c'est ça le sens original de ce verset. Donc c'est pas illa, c'est illa. Et c'est la même chose. On applique ici les règles du nabr. C'est la deuxième formule fa'loun. La deuxième formule fa'loun qui appartient à la règle fa'loun. Donc ici nous avons deux mots. Et la suite, il forme une suite où on retrouve haraka sukun haraka sukun. Hein? Je vais l'illustrer en termes en écriture. Donc in la. Donc ça me donne haraka, pardon, haraka. Ici donc nous avons haraka sukun. Haraka sukun. Ce sont deux mots, donc un nabr, on va le positionner à quel niveau? Sur harakat al-lam. Bien sûr, harakat al-hamza aussi prendra, aura une part de l'accentuation, mais elle sera légère par rapport à harakat al-lam. Donc on dit illa et non pas illa. Illa ta'lun. Fa'lun et non pas illa fa'lun. La conformité ici, comme vous pouvez le constater, elle est probable, étant donné que l'écriture elle est attachée dans tous les masahaf, mais la prononciation appelle à leur séparation. Nous avons aussi un autre exemple, le mot yauma avec hom. Cette combinaison de mots yauma plus hom qui appartient bien sûr au chapitre des attachés et des séparés, séparés et attachés, pardon, bab al-maqtou' wa al-mawsoul. Dans ce cas, comme vous pouvez le constater, nous avons deux écritures. Il y a une écriture où yauma, le mot yauma est attaché au pronom hom, et il y a une autre écriture où nous avons yauma qui est séparé du pronom hom. Lorsque nous retrouvons Yauma attaché avec le pronom hum, et ici nous avons un pronom affixe, bien sûr. Pour ce qui est par exemple du premier verset, nous avons Hatta yulaqu yawmahum alladhi tu'adun yawmahum. Donc, vous voyez bien, al-mim, harakat al-mim, porte la couleur bleue. Donc, c'est là la position du nabr. Je mets un nabr à ce niveau-là. Le premier verset, il a le sens de « jusqu'à ce qu'il rencontre le jour, leur jour dont il est menacé ».« Yaoumahoumou », leur jour. Donc, le sens de « yaoumahoumou », c'est « leur jour ». Alors, si je vais détacher, séparer ces deux mots, j'aurai yauma homo, donc le jour et eux, ou bien il avec s. Et ça va créer bien sûr une erreur, c'est-à-dire en termes d'analyse grammaticale et même en termes de sens. Je reprends juste, je corrige, la couleur elle est verte et non pas bleue. Donc la lettre al-mim elle est colorée avec la couleur verte. Oui, c'est suivant la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa. Donc la prononciation aussi appelle à attacher ces deux mots pour avoir le sens voulu. Deuxième verset aussi, nous avons
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. يومهم، donc je dis يومهم et non pas يومهم. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-ha, mais plutôt sur harakat al-mim. Et dans ce deuxième verset, le sens, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Donc, le mot yaumihim, le sens de ce mot, c'est leur jour. Bien sûr, le sens quand ils sont, bien sûr, les deux mots attachés. Donc voilà, la conformité, elle est absolue à ce niveau-là, étant donné que la prononciation, elle est identique à l'écriture à 100%. La deuxième forme d'écriture qui est yaouma plus hum et qu'on retrouve séparée, le troisième verset, nous avons yaoumahum, yaoumahum barizoun. Donc, vous voyez bien, la prononciation, elle est différente. Je dis yaoumahum et non pas yaoumahum. Dans ce troisième verset, le sens, il est le jour où ils comparaîtront. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. Le jour où ils comparaîtront. Donc, ce n'est pas leur jour. C'est le jour où ils comparaîtront. Vous avez ici le jour, il est détaché du pronom. Là, nous avons un pronom personnel, bien sûr, sujet, et non pas un pronom affixe. Donc, en termes d'écriture, elles sont séparées, et en termes de prononciation aussi, ces deux mots sont séparés. Donc, la conformité, elle est absolue. Nous arrivons maintenant à une liste de mots qui font tous partie du chapitre séparé et attaché, Bab al-Maqtou' wal-Mawsoul. Sur cette diapo, nous avons les mots qui sont attachés en termes de prononciation. Les mots qui sont attachés en termes de prononciation. Et on les retrouve sous trois formes. En termes d'écriture, c'est différent. En termes d'écriture, il y a des mots qui sont séparés. Donc, nous avons deux exemples ici, haythuma et la combinaison aussi de mots, ilyasin. Donc, ces mots, en termes d'écriture, l'écriture, elle est séparée. Mais la prononciation appelle à les attacher. Nous avons une autre forme, c'est la forme où on retrouve les mots. Parfois, elles sont séparées, parfois, elles sont attachées en termes d'écriture, bien sûr, comme le mot Koulama. Donc, nous avons une forme où vous retrouvez Koula séparé de ma et une autre forme d'écriture où on va retrouver Koulama attaché. Mais dans les deux cas, on va les prononcer bien sûr attachés. Nous avons aussi, deuxième exemple, Inna plus in ash-shartiya, pardon, plus ma al-mu'akkida. Donc, on dit imma, imma. On va pas dire imma. Donc, on va pas les détacher en termes de, ou bien les séparer en termes de prononciation. Mais sur le plan de l'écriture, on va les retrouver les deux formes, donc attachées et séparées. Nous avons une troisième liste de mots qu'on retrouve généralement toujours attaché en termes d'écriture. Là, vous comprenez qu'il y a une conformité absolue entre la prononciation et l'écriture. Donc, par exemple, nous avons le mot yaoumahum. On vient déjà d'ailleurs de voir l'exemple dans la diapo précédente. Donc, yaoumahum et non pas yaoumahum. On met un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-ha. Deuxième exemple, yaoumihim, pareil, ils sont attachés en termes d'écriture et même en termes de prononciation. Je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-ha.
L'exemple suivant, c'est fi, la préposition fi, harf al-jar, plus ma al-istifhamiya. Alors, ma al-istifhamiya, c'est une forme d'interrogation et lorsqu'elle s'attache à une préposition, on supprime son alif. Donc, il n'y aura pas. Donc, comme vous pouvez le constater en termes d'écriture, fi ma, à la fin, il n'y a pas de alif maddiya. Donc, je dis fima fa'lun et non pas fima fa'lun. Pareil aussi pour an plus ma al-istifhamiya. Toujours an, c'est une préposition, harf jar plus ma al-istifhamiya. Donc, automatiquement, en termes d'écriture, on va supprimer l'alif al-maddiya à la fin et on dit amma et non pas amma min plus ma al-istifhamiya. Pareil, donc min c'est une préposition, harf jar plus ma al-istifhamiya, je dis mimma et non pas mimma. Le mot aussi, kalouhum, on ne dit pas kalouhum, c'est faux. Si je mets un nabr sur harakat al-ha, c'est faux. Parce qu'ici nous avons un pronom affixe et non pas un pronom personnel sujet. Donc c'est kalouhum. Et non pas kalouhum. Deuxième exemple qui ressemble au précédent, wazanouhum. Et non pas wazanouhum. Nous avons aussi le mot mahma. Et non pas mahma. Donc je mets un nabr sur harakat al-mim, la première, et non pas sur harakat al-mim, la deuxième. Donc je dis mahma et non pas mahma. Parce que c'est un nom conditionnel apocopé. Je vais appeler professeur Rahma. Elle va nous relire tous ces exemples, inshallah. نعم حيثما ينطق حيثما الياسين ينطق الياسين كلما ينطق كلما إما ينطق إما يومهم ينطق يومهم يومهم ينطق يومهم فيما ينطق فيما عما ينطق عما مما ينطق مما كالوهم ينطق كالوهم وزنوهم ينطق وزنوهم مهما ينطق مهما Merci, barakallahu fik, professeur Rahma. Donc, tous ces exemples, qu'elle soit que cette combinaison de mots soit séparée ou attachée, la prononciation appelle à les attacher toujours. Nous avons une autre série de mots qu'on peut prononcer séparés. C'est pas qu'on peut, mais elles sont obligatoirement prononcées séparées. Mais en ce qui concerne l'écriture, nous avons une série de mots qui sont toujours attachés. Nous avons une autre série de mots qu'on retrouve parfois séparés et dans d'autres versets attachés. Et nous avons une troisième série de mots qu'on retrouve toujours séparés en termes d'écriture. Donc, on n'oublie pas, lorsqu'on parle de séparer, attacher et une différence entre la prononciation et l'écriture, donc c'est une conformité probable. Et lorsque la prononciation est identique à l'écriture, on parle bien sûr d'une conformité absolue. La première liste de mots, je prends un exemple, le tout premier, nous avons ya, ya nida, plus ibna. Plus ummi, umma, pardon, umma. Donc, ces trois mots, même si vous les retrouvez en termes d'écriture attachés ensemble, dans la prononciation, on les sépare.
Donc, on respecte un peu cette séparation en termes de prononciation. Donc, je dis Yabna Umma et non pas Yabna Umma. Donc, je mets je sépare entre ces trois mots. Pareil pour le deuxième exemple, nous avons Ni'im qui est un verbe plus Ma. Donc, on le prononce Ni'imma. Pareil pour le mot yaouma id. Yaouma id. Vous voyez, je mets l'accentuation bien en abord sur harakat al-ya, puis après sur harakat al-hamza et non pas sur harakat al-mim. Pourquoi? Parce que le mot yaouma ici n'est pas attaché à un pronom affixe. Donc je dis yaouma id. Et non pas yaoumaïd. Hein, je ne mets pas un abord sur harakat el-mim. Pareil pour l'exemple qui suit après, nous avons hina plus id. Donc, hina id. Hein, je fais la en termes de nabor, j'articule bien et je fais la distinction entre, enfin, je sépare entre les deux mots. Nous avons min plus man. Mimman, et non pas mimman. Je ne mets pas uniquement un nombre sur la première haraka. Nous avons la première haraka et la deuxième haraka aussi. L'exemple qui suit, amma, pareil, je mets un nombre sur la première haraka et la deuxième haraka. Amma, et non pas amma. Ça, c'est faux. Deuxième, l'exemple qui suit, pardon. Alors, donc, je mets un abord sur la première haraka et la deuxième haraka dans ce mot qui est attaché dans cette suite de harakat. Donc, je mets un abord sur la première haraka et la deuxième haraka. Et pour ce qui est de l'exemple qui suit après, donc on l'a vu déjà, in plus la, donc il l'a, on dit il l'a et non pas il l'a. Nous avons aussi un autre modèle de maqtou' et mawsoul, le mot way plus ka'anna ou bien ka'annahu. Donc, les deux existent dans le texte coranique. Donc, on met un nabr sur harakat al-waw et harakat al-hamza. Et en réalité, il y a deux lectures. Ou bien, je mets un nabr sur harakat al-waw et harakat al-hamza. Way ka'anna. Ou bien, je mets un nabr sur harakat al-waw et pardon, je l'ai presque tiré. Donc, je dis, pardon, il y a une autre façon ou bien une formule de le dire, c'est Waika'annahu. Et j'ai dit, il y a deux lectures, donc c'est Waika plus Anna. La première, c'est Way plus Ka'anna. Et la deuxième, c'est Waika plus Anna ou bien Waika plus Annahu. Donc, je dis Waika'annahu. Waika'annahu. Donc, vous voyez, il y a deux formes de lecture. Donc, vous trouvez, vous allez trouver que c'est facile de prononcer ces deux mots. Il faut juste savoir est-ce que c'est une combinaison de Way plus Ka'anna ou bien c'est une combinaison de Waika plus Anna. Voilà. En termes de séparation de ces deux mots. Donc, en termes de prononciation, toujours, il faut les séparer, il faut les distinguer, faire la distinction entre les deux, il ne faut pas les attacher. Donc, il ne faut pas mettre un nabr sur, par exemple, harakat el-kaf. Ça, c'est faux. Plutôt, mettre un nabr sur le haraka qui le suit. Ou bien harakat an-noun dans le deuxième cas.
Pour ce qui est des exemples qui suivent après, nous avons ya nida plus un mot qui suit après. Donc, généralement, c'est un nom. C'est un nom d'une personne ou bien, par exemple, Qauma, Qaumi. Donc, on retrouve sur dans le texte coranique, ya nida, qui est une interjection d'interpellation. Donc, je dis ya Moussa, ya Moussa. Donc, et je vais pas mettre un abord sur harakat as-sin ici. Je ne vais pas dire ya Moussa, ya Moussa. Je distingue entre ya plus Moussa. Donc, faire la différence entre les deux. Et je sépare ce nom propre de l'interjection d'interpellation. Pareil pour ha at-tanbih plus oulai ou bien antum. Donc, ici, je mets un abord sur harakat al-ha. Par exemple, pour le mot ha-oula-i. Donc, un abord sur harakat al-ha et harakat al-lam. Pareil pour le mot ha-antum. Donc, je mets un abord sur harakat al-ha et harakat al-hamza et non pas sur harakat al-ta. Je ne vais pas dire je vais pas séparer tum du mot antum. Donc, je garde le mot antum attaché et je le sépare quand je mets un abord sur harakat al-hamza, je le sépare de ha at-tanbih. Donc, vous arrivez là à distinguer les deux, si vous êtes en train de lire le Coran, vous retrouvez toujours en termes d'écriture, elle est attachée avec le nom qui la suit, elle est attachée aussi avec le mot qui la suit, mais en termes de prononciation, il faut faire la distinction entre ces deux mots. La deuxième colonne, nous avons des mots qui sont parfois attachés et parfois séparés. C'est-à-dire en termes d'écriture, bien sûr. Le premier exemple, c'est M plus Men. On l'a déjà vu. Alors, parfois, on les retrouve attachés, parfois, ils sont séparés. Mais en termes de prononciation, ils sont toujours séparés. Donc, je dis M-Men et non pas M-Men. Pareil pour Fi plus Ma al-Mansoula. Je la prononce Fi-Ma et non pas Fi-Ma. Kay plus la annafia, c'est Kayla et non pas Kayla. N plus len, donc Ellen, Ellen et non pas Ellen. An al-jarra, c'est harf al-jar ici, plus ma al-mawsoula, donc je dis amma, amma. Et non pas amma. Nous avons vu dans la première diapo le mot amma. On retrouve généralement, c'est le premier verset sourate An-Naba. Donc c'est différent. Ici, c'est ma al-mansoula et non pas ma al-istifhamiya. Donc ma al-mansoula, elle garde son alif al-maddiya. L'alif al-maddiya est présente ici. Contrairement à ma al-istifhamiya qui perd son alif al-maddiya lorsqu'elle est attachée à une préposition qui est harf al-jar. L'exemple qui suit, c'est min al-jarra plus ma al-mawsoula. Donc, je prononce ces deux mots, que ce soit quand je retrouve attaché ou bien séparé en termes d'écriture, je vais les prononcer mimma et non pas mimma. In al-shartiya plus lam al-jazima. Donc, je dis il-lam et non pas il-lam. An plus la. Je vais les prononcer comment? C'est Allah et non pas Allah. Donc, voyez bien, j'ai dans la première colonne, pour faire un petit peu la différence, hein, la première colonne, nous avons in plus la. In plus la. In plus la, il a, vous retrouvez toujours ce mot attaché en termes d'écriture. Mais n, donc vous voyez la différence, nous avons in, puis dans la deuxième colonne, nous avons n plus la. Et N plus là, on les retrouve parfois attachées en termes d'écriture, parfois elles sont séparées.
Et dans les deux cas, la prononciation appelle à les séparer. Donc, je dis Allah et non pas Allah. Le mot bi'sa plus ma al-mawsoula. Pareil, je dis bi'sama et non pas bi'sama. Je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-sin. Parce que si je mets un nabr sur harakat al-sin, j'aurai un autre sens pour ce mot. Et en termes d'écriture, comme vous pouvez le constater, on retrouve ce mot parfois attaché, bi'sa avec ma, et parfois elles sont séparées. Ces deux mots, ils sont plutôt séparés. Alors, an al-mukhaffafa plus law. Ça, c'est le dernier exemple dans cette liste. Nous avons an plus law. Donc, je dis, comment je vais les prononcer? Al-law. Al-law. Et non pas al-law. Et là, je mets bien sûr un nabr sur harakat al-lam. Je ne la garde pas uniquement sur harakat al-hamza. Dernière colonne qui concerne les mots qui sont séparés en termes d'écriture. La conformité ici, bien sûr, elle est absolue, étant donné qu'en termes de prononciation, on les prononce aussi séparés. Donc, nous avons pour cette liste de mots, an plus man al-mawsoula. Donc, je dis amman et non pas amman. An al-mukhaffafa plus lam al-jazima. Donc, je dis al-lam. Et non pas al-lam. Kulli, al-lam ici prend le signe diacritique al-kasra. Donc je dis kulli. Kulli plus ma, ça fait kulli ma. Et non pas kulli ma. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-lam parce que sinon ça va se transformer en un verbe. Je n'ai pas ici un verbe. Donc, c'est kulli plus ma, et ça, en termes de prononciation, je dis kulli ma, et non pas kulli ma. Yauma plus hom. Ici, bien sûr, elles sont séparées, que ce soit en termes d'écriture ou bien en termes de prononciation. Donc, je dis yauma hom, et non pas yauma hom. L'exemple qui suit après, c'est Walata plus Hina. Alors, comment je vais prononcer cette combinaison de mots? Donc, je mets un nabr sur Harakat al-Lam et un nabr sur Harakat al-Ha. Et non pas sur Harakat al-Ta. Je fais attention, je ne mets pas un nabr sur Harakat al-Ta parce que sinon je vais les attacher. Alors, je dis Walata Hina, Walata Hina. Et non pas wala tahina. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-ta. Je ne dis pas wala, sinon je vais séparer carrément wala et ça va devenir la de la négation. Donc je ne dis pas wala tahina. C'est différent. Donc la bonne prononciation, on dit wala tahina. L'avant-dernier exemple, nous avons ibna plus umma. Donc Ibna umma. Là, je ne vais pas mettre un nabr sur harakat noun. Hein, je ne vais pas placer un nabr sur harakat noun. Je ne vais pas dire Ibna umma. Dernier exemple, ayyan plus ma. Donc, je dis ayyamma. Ayyamma. Et je ne mets pas un nabr sur harakat lya. C'est faux. Donc, je ne dis pas ayyama. Non, ça, c'est faux en termes de prononciation. Alors, j'appelle toujours notre professeur Rahma, si c'est possible, de relire ces exemples. نعم يا بنا أمة ينطق يا بنا أمة نعم ما ينطق نعم ما يومئذ ينطق يومئذ حينئذ ينطق حينئذ ممن ينطق
ممن أما et non pas أما أماذا et non pas أماذا إلا et non pas إلا ويكأن et non pas ويكأن ويكأنه et non pas ويكأنه يا موسى ينون با يا موسى يا قومي ينون با يا قومي هؤلاء ينون با هؤلاء ها أنتم ينون با ها أنتم أمن ينبا أمن فيما ينبا فيما كيلا ينبا كيلا ألن ينبا ألن عما ينبا عما مما ينبا مما إلم ينون با إلم ألا ينون با ألا بئس ما ينون با بئس ما ألو ينون با ألو عمن ينون با عمن ألم ينون با ألم كل ما ينون با كل ما يومهم ينون با يومهم ولا تحين ينون با ولا تحين ابن أم ينون با ابن أم أيما ينون با أيما Très bien, merci professeur Rahma. C'était une belle présentation, masha'Allah. Maintenant, nous allons passer à une autre forme de prononciation. Donc, nous avons des mots qui sont parfois séparés et parfois attachés suivant la nature de ma. Donc, la prononciation, parfois, elle est séparée et parfois, elle est attachée. Et ça, c'est conditionné par quoi? Par la nature de ma. Comment j'analyse ma? Si ma est ma al-mawsoula, dans ce cas-là, je vais prononcer les deux mots aina plus ma séparés. Si ma n'est pas ma al-mawsoula, qu'elle soit ism shart ou bien ma al-kafa, qu'on appelle ma al-kafa, dans ce cas-là, la prononciation, elle est attachée. Donc, la prononciation appelle à attacher les deux mots aina plus ma. Donc, la première colonne, nous avons, pour la prononciation lorsqu'elle est séparée, nous avons deux formes d'écriture. Donc, nous retrouvons dans le texte coranique deux formes d'écriture en ce qui concerne aina plus ma. Parfois, elles sont attachées et parfois, elles sont séparées. Donc, si elles sont bien sûr attachées, la conformité, elle est probable. Si elles sont détachées, séparées, la conformité est absolue. Donc, comment on va lire ces exemples? Donc, que ça soit une écriture attachée ou séparée, pareil, la prononciation, elle est séparée. Donc, je dis Aïnama et non pas Aïnama. Alors, deuxième exemple, nous avons Anna plus ma al-mawsoula. Donc, annama, annama, et non pas annama. Dernier exemple, inna plus ma al-mansoula. Pareil, on les prononce comment? Innama, et non pas innama. Deuxième colonne, nous avons l'écriture. Parfois aussi, elle est attachée et parfois, elle est séparés. Ce sont les mêmes mots, hein, vous voyez. Donc,
c'est aina plus ma. On la retrouve dans la première colonne, deuxième colonne. Anna plus ma aussi, première colonne, deuxième colonne. Inna plus ma, on la retrouve, elle est présente aussi dans la deuxième colonne. Mais ce qui est différent en réalité, c'est la fonction de ma, c'est sa nature. Donc, dans ce cas-là, que l'écriture soit attachée ou bien séparée, la prononciation appelle toujours à la séparation de ces deux mots. Donc, je dis Aïnama et non pas Aïnama. Aïnama, écoutez bien, Aïnama, j'ai mis un nabr sur Harakat al-Noun. Et non pas Aïnama, je ne mets pas un nabr sur Harakat al-Mim. Donc, pourquoi? C'est pour avoir cette prononciation attachée entre ces deux mots. Donc, Aïnama, et non pas Aïnama, Annama, et non pas Annama, Innama, Innama, et non pas Innama. Voilà pour ce qui est de cette série. Donc, il faut faire attention de ne pas faire la confusion entre les deux. Il faut bien vérifier la nature de ma au début avant de savoir quel type de prononciation. Est-ce que je dois les prononcer séparés ou bien attachés? Bien sûr, en termes d'écriture, vous avez les deux formes, hein. Parfois, elles sont attachées, parfois, elles sont séparées. La seule différence entre les deux, c'est-à-dire la difficulté où est-ce qu'elle réside en réalité, c'est de savoir quelle est la nature de ma. Toujours lorsque ma assure la fonction de ma al-mawsoula, je peux la remplacer avec al-lavi. Donc, dans ce cas-là, toujours, toujours, il faut avoir, retenir ça en tête, la prononciation, elle est séparée. Si elle n'est pas ma al-mawsoula, une autre nature, elle a une autre nature, une autre fonction, dans ce cas-là, la prononciation, elle est attachée. Alors, nous arrivons maintenant les derniers composés qu'on retrouve, ou bien qui font partie du chapitre al-maqtou' wal-mawsoul, bab al-maqtou' wal-mawsoul. Nous avons la préposition qui est lam al-jar, qu'on doit séparer du mot ma en termes de prononciation. Et nous avons ici trois exemples. Dans ces exemples, il y a ma plus lam al-jar à côté, plus hava. Donc, nous avons trois exemples au niveau du texte coranique. Donc, ma plus lam al-jar plus hava. Comment je vais prononcer cette combinaison de trois mots en réalité? Donc, je mets un nabr. Parce qu'en termes d'écriture, on retrouve toujours ma qui est attachée à lam al-jar. Donc, vous voyez, mali. Puis après, nous avons hava après. Mais en termes de prononciation, il faut détacher, séparer lam al-jar de ma et l'attacher avec le mot qui la suit. Donc, par exemple, pour le premier mot ici, nous avons mali hava, mali hava, et non pas mali hava. Parce que si je dis mali, ça veut dire c'est mon argent. Je parle de mon argent. Le sens ici change complètement. Alors que le sens en réalité, c'est ma, c'est une forme d'interrogation en réalité. Ma li hada. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ma li hada. Ou bien qu'est-ce qu'il lui prend? Voilà, ça c'est en termes de. Je parle pas ici du sens coranique, bien sûr, mais dans le sens de notre, on va dire, en termes de communication, si je parle avec une personne et je dis « mali hada », ça veut dire « qu'est-ce qu'il lui prend, celui-là »,« qu'est-ce qu'il a ?» Donc, voilà. Mais ça, si je garde « lam al-jar » attaché à « ma » en termes de prononciation, « mali hada », ça veut dire « ça, c'est mon argent ». Ça, c'est mon argent. Donc, vous voyez, il y a grande différence en termes de sens. En termes de prononciation, donc, on fait attention ici, tous ces mots qui existent au niveau du Coran, du texte coranique, je
je dois séparer l'âme al-jar de ce qu'il du mot ma. Donc nous avons le premier exemple mali hada. Deuxième exemple fama plus l'âme al-jar plus haoulaï. Donc en termes d'écriture, comme vous pouvez le constater, ma est attaché à l'âme al-jar. Mais en termes de prononciation, on doit attacher l'âme al-jar au mot qui la suit. Donc, je dis fama liha ula. Je ne dis pas et non pas fama liha ula. C'est différent. Dernier exemple, nous avons fama plus l'âme al-jar toujours plus al-lavina. Comment je dois prononcer ces mots? Donc, je vais dire Fama lil-lavina, Fama lil-lavina, et non pas Fama lil-lavina. J'appelle le professeur Rahma pour nous relire ces exemples. نعم مالي هذا ينطى مالي هذا فمالي هؤلاء ينطى فمالي هؤلاء فمالي الذين ينطى فمالي الذين. Très bien, merci professeur Rahma pour cette belle lecture. Donc, je vais relire le deuxième exemple parce que j'ai omis de faire l'alif al-maddiya à la fin. Donc, j'ai un mad muttasil à la fin. Donc, je devrais dire Fama liha ulai et non pas Fama liha ulai. Voilà. Donc, j'ai corrigé l'erreur. Donc, faites attention lorsque vous allez lire ces mots de faire la séparation entre l'âme al-jar et al-ma, le mot ma, pardon. Et d'attacher, de faire en sorte, en termes de prononciation, d'attacher l'âme al-jar avec le mot qui la suit. Voilà, donc nous arrivons à la fin de Bab al-Maqtou' et al-Mansoul. Nous avons juste une règle à vous donner afin de connaître la prononciation correcte du mot. Donc, s'il y a une difficulté ou bien vous retrouvez que, c'est-à-dire vous vous posez la question, est-ce que je vais mettre un nabr sur un mot? Donc, vous prononcez le mot isolé, c'est-à-dire vous le tirez comme ça du texte coranique. Vous le prononcez isolé en marquant l'arrêt. Puis après, on met la haraka si la lettre finale est déclinée par une haraka. Troisième étape, on prononce le mot avec at-tanwin si à la fin il y a cette déclinaison. Donc s'il n'y a pas une haraka, nous avons at-tanwin, donc on le prononce avec at-tanwin. Et la quatrième étape, l'étape finale, on lit ce mot, c'est-à-dire on remet ce mot dans sa position initiale et on le lit avec ce qui le suit, c'est-à-dire le mot qui le suit après. Si bien sûr ce qui le suit débute avec un soukoun, c'est-à-dire toutes ces étapes, on les respecte si nous avons un mot, c'est-à-dire le premier mot est suivi par un mot qui débute avec un soukoun. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre cours et c'est aussi la fin de notre série de conférences. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces conférences. Bien entendu, toutes ces conférences sont une traduction des conférences présentées par professeur Walid Mokbel-Dib. Je vous dis à la fin, prenez soin de vous. N'oubliez pas de réciter votre Coran. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته